Bonjour, nous sommes quelques élèves du Ulch Canal. Aujourd'hui, nous sommes à la 38e édition du Festival du film italien à Villerue. Pendant 2 semaines, on va vous montrer tous les jours un nouveau reportage. Avec des acteurs, réalisateurs et encore d'autres invités très intéressants. Vous pouvez voir tous nos reportages sur YouTube et nous suivre sur Facebook et Twitter. Notre premier reportage est sur la soirée d'ouverture du Festival du film italien. C'était le violoncelle d'André Mergentala qui a accompagné les discours de la soirée d'ouverture. Une soirée qui débutait avec les discours des politiciens. C'était Alain Casoni, le maire de Villerue, qui a pris la parole en premier. Le festival nous incite cette année à un devoir. Un devoir de mémoire avec l'entrée en guerre de l'Italie il y a un siècle dans le premier conflit mondial. Un conflit qui a aussi contribué à façonner l'Italie d'aujourd'hui, puisque c'est à l'issue de cette guerre qu'une partie de la région haute du festival, la Vénétie julienne, fut rattachée au Royaume d'Italie. Car c'est aussi l'un des pouvoirs du cinéma, de nous replonger dans l'histoire et nous réinterroger sur des moments historiques d'une intensité exceptionnelle. Après défiler sur scène, Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Jean-Pierre Masseret, président du conseil régional de Lorraine, Ferhat Pautz, maire d'Échurazette, Gérard de Bellantone, consul général d'Italie à Metz, Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, et Jean-Marc Toleschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Pour finir, c'était Oreste Sakali, le directeur artistique du festival, qui a présenté le jury ainsi que le jury jeune. Merci aux organisateurs, merci à tous les bénévoles du pôle de l'image de faire chaque année et de faire de chaque film du festival autant de coups d'archer permettant de faire exploser notre imagination, notre réflexion et notre plaisir. Bon vent à cette 38e édition du festival du film italien de Villerue. Vous avez la possibilité de revoir l'intégralité de la soirée sur notre chaîne YouTube.